Donc, je m'appelle Julien Bijasson, je suis gérant de la société Altiflamme sur Annecy en Haute-Savoie. Je suis installateur de poêles et cheminées et avant tout ramoneur fumiste de métier. Alors j'ai pris contact avec la société Aduro et j'ai souhaité, avant de vendre le produit, connaître le produit parfaitement. Et donc je l'ai testé à titre personnel pendant 6 mois pour comprendre ses fonctionnements, ses avantages et certains de ses inconvénients. C'est un poêle mixte à bicombustible qui est utilisé soit au bois-bûche, soit au granule, également aux deux, qui sert essentiellement en relève au granule, en relève pendant l'absence et à l'allumage du bois, c'est-à-dire qu'on n'allume plus le feu manuellement. Alors ce poêle, il est important de bien expliquer au client son fonctionnement, c'est-à-dire que ce n'est pas un poêle à granuler 100%, il doit forcément avoir une utilisation via le bois-bûche. Pourquoi? Simplement pour arriver à une température de combustion suffisamment élevée avec le bois-bûche pour arriver à la pyrolyse du foyer de combustion et donc l'auto-nettoyage de l'appareil. S'il n'est pas utilisé dans les configurations préconisées, eh bien l'appareil ne peut pas fonctionner suffisamment longtemps au granule et demande un entretien beaucoup plus régulier de l'utilisateur. Il est très important concernant la partie fumisterie sur ce poêle de mettre en place un conduit à double paroi isolée concernant le conduit de fumée, que ce soit en neuf ou en rénovation, un dépassement de faîtage obligatoire en zone 1 et un diamètre préconisé maximum de 180 mm. L'allumage au granule est un tirage naturel et donc des fumées particulièrement à l'allumage qui sont des fumées froides. Donc l'appareil doit être raccordé à l'air externe, soit par raccordement direct, c'est-à-dire une traversée de mur, ou un passage par un vide sanitaire, ou sur un raccordement indirect. De préférence, si on est raccordé sur un vide sanitaire, préférez un raccordement indirect, de façon à ne pas avoir d'humidité à l'intérieur de l'appareil. Le Draft Optimizer, c'est un extracteur de fumée qui vient se monter en sortie de toiture sur le conduit de fumée, qui va permettre de stabiliser et d'avoir un tirage permanent sur le conduit. Il va permettre d'augmenter en fait le fonctionnement en temps sur la partie granulée, qui n'est pas à l'origine prévu trop longtemps en termes de fonctionnement sans un chargement au bois. L'appareil demande un nettoyage, c'est-à-dire un ramonage, un entretien annuel simplement, d'un point de vue professionnel. Et vis-à-vis du client, suivant l'utilisation, minimum une fois par semaine, un nettoyage intérieur du foyer, voire 2 fois par semaine, pour garantir le bon fonctionnement et donc les allumages. Alors nettoyer l'intérieur de l'appareil, bien sûr, vider le cendrier. Enlever la partie du brasier de combustion pour évacuer les résidus de combustion, particulièrement granules, qui peuvent s'accumuler et empêcher un démarrage réussi. Donc aujourd'hui, en presque une année, je suis à 15 installations sur le secteur annécien et l'ensemble de mes clients sont très satisfaits du produit et ils en ont tous l'utilisation en appareil mixte, c'est-à-dire utilisation du granule en priorité et de la bûche dès qu'ils sont présents à la maison. Ce qui leur donne une autonomie de fonctionnement et une diminution de l'entretien de l'appareil. C'est bien un poêle mixte, c'est un poêle hybride mixte, connecté, qui fonctionne très bien.